I saw someone I knew, that's it. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Paula, c'est que elle illustre aussi quelque chose de ce que Lacan dit de l'amour. Lacan dit finalement que lorsqu'un homme aime une femme, il le dit dans le séminaire RSI en 75, et bien lorsqu'un homme aime une femme, il y croit et il peut aller jusqu'à la croire. Et là, c'est tout l'envers. En fait, c'est un homme qui est une femme et justement qui jette une suspicion sur chacun de ses actes, chacune de ses paroles. Et donc finalement, ce qui est remarquable, c'est de voir dans la logique de ce personnage féminin que dans un premier temps, elle est totalement sous l'emprise de cette suspicion. C'est-à-dire que elle se fie à ce qu'il lui dit, hein, au point de remettre en question ce dont elle se souvient, au point de remettre en question finalement même sa propre histoire. Alors, la norme mâle, là, comme tu l'as mis dans ce film, c'est la croyance en l'autre. Qui devient anormal à la fin. Pour moi, là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, en fait, elle a rencontré un partenaire qui est animé d'un projet fou, qui est le projet de la déshériter et de la faire passer pour folle. Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont elle croit
dans sa normalité à lui, finalement, au nom de sa soumission, elle, à la norme mâle. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le parcours qu'il lui faudra pour pouvoir désobéir à cette norme mâle qu'elle vit comme une normalité. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est intéressant, c'est au fond, pour ne pas être fou, il faut désobéir à la norme mâle. Voilà, c'est ça, d'une certaine façon, ce qui va lui permettre de se retrouver elle-même et de ne pas se sentir finalement disparaître du champ du visible, puisque c'est ce qu'il cherche à faire, à l'enfermer, à la convaincre qu'elle ne peut plus sortir, qu'elle ne peut plus se montrer, qu'elle doit disparaître du champ du visible, qu'elle doit disparaître du champ du monde. Eh bien, il va falloir un moment qu'elle se rebelle contre cette norme mâle et qu'elle croie, au moins en tout cas, à son désir à elle, de rencontrer autre chose. Et finalement, ce qui est très fort aussi, c'est le point d'acné du film, c'est le moment où elle manque de basculer dans la folie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle devient folle. Effectivement, elle manque de devenir folle. C'est le moment où elle se retrouve seule dans la maison le soir, dans cette grande maison qu'elle vit comme une maison hantée, puisque c'est la maison qui est hantée par le souvenir de sa tante. Elle se retrouve seule dans cette grande maison et elle entend des bruits au grenier depuis sa chambre, et elle voit en même temps la lumière, qui est donc gaslight, la lumière à gaz qui baisse le soir, alors que personne n'est censé allumer aucune lumière dans d'autres pièces de la maison. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là? C'est que ces bruits qu'elle entend, au lieu de penser finalement qu'elle les entend vraiment, que peut-être il y a quelqu'un dans le grenier, elle cède à la situation, comme dit Lacan par rapport au traumatisme, elle cède à la situation et elle croit qu'elle a des hallucinations auditives. C'est là où elle manque de basculer dans la folie. C'est-à-dire qu'elle pense que ce qu'elle entend vient peut-être de sa propre folie à elle. Et c'est là où lui, Grégory, est sur le point de parvenir à son projet, car il sait utiliser ce levier de l'amour pour la rendre folle. Comment est-ce qu'elle se sort finalement de cette soumission à la normalité qui a manqué de la faire basculer dans la folie? C'est que finalement elle va se sortir aussi peut-être d'une autre folie, qui est la folie de l'amour. Celle qui fait dire à Lacan que toutes les femmes sont folles par rapport aux concessions qu'elles peuvent faire par amour. Et finalement, c'est à partir du moment où elle ne va plus croire de la même façon dans cet amour, où elle va apercevoir qu'en fait, Grégory cherche autre chose, qu'en fait, il ne la désire pas vraiment. Et elle va l'apercevoir aussi parce qu'elle rencontre un autre homme qui s'intéresse à elle de façon plus profonde, plus intime, eh bien c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir finalement ne pas céder à la situation, ne pas céder sur son désir et finalement apercevoir que à travers un objet particulier qu'elle retrouve, qui est une lettre, apercevoir qu'en fait il lui a menti et que c'est elle qui a cru par amour dans ses paroles. Et donc, à la fin du film, ce qui est extraordinaire, c'est que comment est-ce qu'elle se récupère finalement? Elle se récupère lorsqu'elle va pouvoir affronter son regard, ne plus avoir peur de s'opposer à lui, de s'opposer à son pouvoir de mal. Et que le couteau qu'elle tient, et bien finalement, peut-être qu'il n'y a pas de couteau, puisqu'il lui a dit qu'elle était folle. Peut-être qu'elle est cette folle-là, mais elle ne le libérera pas. Et ce qui m'a frappée, c'est que, alors que je revoyais ce film, peu de temps après, j'ai appris que le mot « gaslight », ce mot gaslight qui renvoie à un moment de la technique de l'éclairage qui n'existe plus, puisqu'on ne s'éclaire plus avec des lumières à gaz.
bien, ce mot gaslight a donné lieu d'abord dans la langue anglaise à un verbe, to gaslight, qui signifie, en référence à ce film, non pas rendre l'autre fou, mais lui faire croire qu'il est fou. Et donc ça dit quelque chose de l'emprise que peut exercer un autre, notamment dans la dimension de l'amour sur une femme. Et ce verbe anglais, to gaslight, eh bien, il est aussi en train d'entrer dans la langue française. Je l'ai entendu à travers des paroles de patients, une en particulier, et qui est devenu me faire gaslighter. Voilà, me faire gaslighter par l'autre finalement, eh bien ça évoque hein, cette expérience qu'on peut faire de se voir finalement considéré comme anormal du point de vue d'une norme mâle. Et on peut dire que finalement tout sujet féminin fait cette expérience, non pas jusque dans les extrémités que Glenarman fait dans le film, mais tout sujet féminin fait l'expérience, notamment dans l'expérience de l'amour, finalement de s'interroger à un moment sur sa propre folie dans l'amour hein, et de se sentir peut-être en difficulté par rapport au fait de se conformer à la norme mâle.